Di Sarkozy, né à Paris, est un homme plutôt chéri. Il commença la politique par les fonctions de maire de Neuilly. Les années passées et Sarkozy passa de député à ministre de l'économie. Une porte-parole du gouvernement, c'était le début du dirigeant. Petit Sarkozy avait bien grandi, il était président d'un grand parti. Je veux bien sûr parler de l'UMP, où il était fier d'y régner. C'est en 2007 qu'il fit le grand pas, aux élections présidentielles il fut candidat. Il se trouva face à Ségolène Royal, où il remporta ce duel capital. Petit Sarkozy était au sommet, il habitait maintenant à l'Élysée. Mais pas de repos au président, même si c'est un métier fatigant. Il fallait qu'il tienne ses nombreuses promesses qu'il avait tenues dans son discours, malgré les dures critiques de la presse, alors qu'il était président depuis quelques jours. Sarkozy avait dérapé avec cette phrase qu'il avait prononcée. Casse-toi pauvre con, c'est inoubliable. Et cela fit le tour de la presse nationale. Son quinquennat fut mouvementé par des réformes difficilement acceptées, comme celle des retraites en 2010. Et en plus de ça, il y avait la crise. De nombreuses personnes se moquaient de lui à cause de sa petite taille et de ses tics. Il fallait qu'il trouve d'autres tactiques pour remonter dans les sondages politiques. Mais comment faire quand on est au plus bas, à cause d'une épaule qui gigote par là? La fin de son quinquennat approcha, mais Nicolas ne baissa pas les bras. En 2012, il décida recommencer une nouvelle fois. Il se représenta comme candidat, mais il perdit face à François. Très dure défaite pour Nicolas. Heureusement qu'il y avait Carla et sa petite fille Julia. Ils partirent loin des médias.